commission. Laisse-moi. Tu n'as plus d'argent. Tu ne comprends pas? Plus d'argent, sauf pour toi. Ah, c'est un cadeau. Un cadeau, tu parles. Il te frappe, il te fait des cadeaux et toi t'acceptes ça. Je vais le faire avec toi. Viens là. Quoi? Carole, elle a volé tout le dossier. Elle est partie à droite. Serpillère, dis donc. Et puis voilà. Et pourquoi il est venu? Il voulait un CD-ROM, qui était à lui, soi-disant. Tu t'es fourré dans une drôle d'histoire. Ce CD-ROM, il doit être dans tes affaires. Ah. Prouve-le. Moi, j'appelle mon voisin, Monsieur Paul. Monsieur Paul? Pourquoi faire? Il travaille à la préfecture. Je vais lui parler de cette histoire de CD-ROM. C'est bizarre. Toi, en attendant, tu t'enfermes. Compris? Compris. Allô, Émile? Oui, Monique. J'ai trouvé le CD-ROM. Un post-it collé dessus. C'est marqué T-A-S-T. Et en petit, transport armement. Sécurité transaction. C'est grave? Tu peux le dire. J'ai prévenu Monsieur Paul. Il faudrait que tu lui envoies les fichiers de ce CD-ROM. Avec mon ordi? Moi, je veux bien. Mais faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je fais? Tu vas sur Internet et tu tapes le nom de son service. C'est CLA-transfert en lettres minuscules. PLA? -transfert. Voilà. On me demande le nom d'un support et... Tu mets le disque dans le lecteur.
Voilà, c'est fait. Très bien, je te tiens au courant. Bon, et j'en fais quoi maintenant? Ton bazar. Salut Gilbert, j'ai le CD-ROM. Tu ne dis rien? Tu me paies ma commission ou tu fais faillite? Qu'est-ce que tu veux? 200 000 euros. Je ne les ai pas. Ah, je m'en doute, mais le collier de Julie, il les vaut, non? Il vaut combien? Tu es folle, il en vaut au moins le double. Et alors? Si tu veux ton CD-ROM, tu viens avec tout de suite, sur le parking, à la sortie du village. Et sinon? Je te balance à la police, pour trafic d'armes. Et moi, je passe pour ce que je suis, une héroïne! Eh bien, il est mort. Tu l'as tué? Non, c'est sa femme. Je te raconterai. Mais... D'accord. J'ai pas de temps, Émile. Il faut que tu préviennes la gendarmerie. On est à la sortie du village, tu sais? Le parking. Je compte sur toi. Je les appelle. Il m'a dit de tirer. Et maintenant, il est mort. Carole. Alors, j'ai besoin de toi pour diriger la société. Gilbert, il est mort, non? Je peux récupérer mon fusil? De même, un fusil qui me vient de mon père. Il manque juste les cartouches.